Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de crème type Danette à la pistache. Alors, vous allez voir, c'est facile et rapide à faire. Donc, je commence par mettre la pâte de mélange. Je mets 400 g de lait. Alors, demi-écrémé ou écrémé, comme vous voulez. Je mets un œuf entier. Je mets 20 g de maïzena. 40 g de sucre en poudre. Ensuite, j'ai acheté la pâte de pistache comme ceci parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Et j'en mets une cuillère et demie. Donc, je mets mon bol, je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme. Je mets programme 16 qui est crème dessert. Alors, vous voyez, 10 minutes, 90 degrés, vitesse 3. J'appuie sur ce bouton et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, ça y est, c'est arrêté. On va regarder. Je vais la goûter. Donc, vous voyez, elle est belle, elle est cuite. Elle est super bonne avec un bon goût de pistache. Je vais mettre ma crème dans des pots ou des ramequins comme vous voulez. Je vais essayer d'égaliser un peu, pas forcément évident. Je vais laisser mes crèmes refroidir pendant 1 heure à température ambiante. Dans 1 heure, je les mettrai au réfrigérateur jusqu'au moment de les servir. Donc, si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.